Yo tout le monde, c'est mon nom Psycho24. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et oui, ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo, donc me revoilà sur un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 qui est réalisé bien sûr par moi-même. Alors, c'est un petit carnage, je dirais pas pour la première manche, mais pour la deuxième manche, oui, je leur mets une grosse fessée. Alors, je joue sur cette map, c'est tout simplement Studio du pack Uprising, un remix de Firing Range de Black Ops 1. Or, je joue à la M94 poignée ergonomique, mais à la deuxième manche, je vais switcher avec l'MSMC. Or, pourquoi je joue avec la poignée ergonomique? Tout simplement car ça me permet d'être plus aussi rapide que les SMG pour viser, donc ça m'avantage beaucoup, donc contre les MSMC, etc., MP7, je peux rivaliser assez facilement contre eux. Vu que la N94 a une portée aussi, une puissance, voilà, je trouvais pas le mot, une puissance de tir assez élevée. Or, je jouais avec les atouts dextérité, fantôme, pierre et détermination. Alors, on change pas les habitudes, toujours avec ces atouts, ça marche, pour moi c'est les meilleurs. Or, je joue aussi avec l'aéronef furtif, la microstation orbitale et le drone d'escorte. Alors, vous allez voir que je l'ai débloqué à peu près 2-3 fois, si je me rappelle bien, dans cette partie. Et ça va faire un très très gros carnage, car ces trois score streaks assemblés font un très très gros massacre. Ils rivalisent franchement rapidement avec les chiens, etc. C'est pour ça que j'ai mis cela, et en plus ils sont assez faciles à débloquer. Or, je joue avec un C4 et une grenade par exemple. Or, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale, car je vais avoir deux sujets pour cette vidéo, car les sujets sont pas super longs à aborder. Ils sont assez faciles et ils sont pas super longs à expliquer, plutôt. Alors, le premier, tout simplement, c'est pour tous les youtubeurs. Vous savez bien sûr que YouTube passe maintenant, enfin, est passé, je crois aujourd'hui ou hier. Alors là, on est le 6 juin, voilà. Or, je crois que c'était le 6 juin ou le 5 juin, et que toutes les chaînes YouTube ont été obligées de passer au nouveau design de YouTube. Je crois que c'était YouTube One Design, un truc comme ça. Et franchement, je déteste cette nouvelle interface. Franchement, il est super moche. On m'y retrouve pas, c'est un truc de fou. Tout simplement, vous devez savoir qu'est-ce que je vais vous demander. Alors, je vais vous demander tout simplement, mais si vous aimez la nouvelle interface, putain, à chaque fois le nouveau, je dis c'est la nouvelle interface de YouTube, si vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez bien sûr, etc. Alors moi, je vais vous expliquer vite fait pourquoi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas tout simplement car je m'y retrouve pas. Alors peut-être je m'y ferai plus tard, franchement j'espère que ça sera le cas, parce que là franchement ça c'est chaud de gérer toutes les vidéos, etc., mettre ce qui est assez intéressant pour vous sur ma chaîne, des trucs comme ça. Or, bien sûr, aussi parce que le background, il est enlevé, enfin maintenant c'est des bannières, ouais, je crois que c'est des bannières, que j'ai passé mon background en bannière. Franchement, il est moins beau, ça fait moins, il y a moins de style et tout, parce que mon background, je l'aimais, il était super, pour moi c'était un super background, donc voilà. Et franchement, ça gâche tous les backgrounds, tout le travail des GFX, etc. Mais ça reste assez sympa. Or, bien sûr, comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous aimez le nouveau. Ah putain, la nouvelle interface. À chaque fois, je dirais le nouveau. Moi, je vous dis quoi? Mettez dans les commentaires combien de fois j'ai dit le nouveau. Ok? Celui qui met, je lui offre un truc. Direct. Là, je vais avoir tous les commentaires. 150 commentaires. Tu en as mis 5, 6, 7. Ah! On s'en fout. Or, comme je vous ai dit, mettez pourquoi vous aimez pas la nouvelle interface. Décrivez bien votre commentaire pour que je sache tout simplement. Mais pourquoi, voilà. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième sujet de cette vidéo. Et le deuxième sujet de cette vidéo est tout simplement, quel type de jeu aimez-vous? Quel type de jeu préférez-vous? Par exemple, les FPS, les MMORPG, les jeux d'aventure. Les jeux de plateforme, les jeux comme ça. Or, moi, tout simplement, je vous expliquais mon point de vue. Alors, qu'est-ce que j'aime, etc. Or, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, il sort beaucoup d'FPS. Donc, je suis à peu près fan des FPS, tels Battlefield, Call of Duty Black Ops 2, etc. Des bons FPS bien faits.
Or, aussi, je peux aimer donc des jeux d'horreur. Comme vous voyez, je m'éclate franchement à vous sortir des vidéos d'Amnesia et tout. Ils sont assez appréciés. Or, des jeux d'horreur comme Amnesia, comme je vous ai dit, Amnesia, The Dark Descent, Slender, beaucoup de jeux d'horreur. Or, on va attaquer la deuxième manche là, voilà. Et vous voyez que j'ai switché avec l'MSMC, je crois que j'avais switché un peu avant. Mais c'est pas grave. Or, comme je vous ai dit, les jeux d'horreur comme Amnesia, Slender, des jeux qui font bien flipper sa mère. Et c'est ça, je m'éclate bien à jouer dessus et vous proposer des vidéos dessus. Or, bien sûr, il y a des gens qui m'ont demandé de mettre, de faire des fesses comme sur les jeux d'horreur. Franchement, je voudrais bien, mais c'est juste que j'ai pas de caméra. Franchement, ça me dérange. S'il y a quelqu'un qui vient chez moi et me prête une caméra, je le fais direct, tout simplement. Parce que si je filme avec la cam, vous verrez un gros pixel, un truc de fou. Le gros pixel, il va prendre tout l'écran, vous verrez rien. C'est comme si j'avais rien mis. Un truc de fou. Or, voilà. Or, ensuite, j'aime les jeux d'aventure, les MMORPG aussi, c'est très addictif. Donc, franchement, ceux qui n'aiment pas les MMORPG, je comprends pas parce que. Vous commencez un MMORPG, par exemple vous êtes 3-4, franchement vous pouvez plus vous arrêter, c'est pire que Call of Duty, c'est addictif, un truc de malade. Or je tiens à parler, bien, je tiens, pour les MMORPG, je tiens à dire des noms, par exemple, pour notre très jeune enfance, bien sûr, il y a eu Dofus qui était très addictif, ensuite des MMORPG assez connus. Un qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je pense, Défiance, il y a beaucoup de gens qui sont addicts dessus, je pense, hein, après je ne sais pas. Or, il y a bien sûr Flife, je sais pas, pour les connaisseurs de MMORPG, vous connaîtrez direct ceux que je parle. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié aussi les jeux de foot que j'aime. Franchement, les jeux de foot, c'est assez bien. Alors dites-moi bien sûr si vous voulez une vidéo de jeux de foot, etc. Des trucs comme ça. Alors, je vais passer maintenant aux jeux que je déteste. Au type de jeux que je déteste, les jeux de course. Voilà, c'est tout simple. Les jeux de course. Les jeux de où on doit, comment dire, genre créer une ferme, des trucs comme ça, des jeux comme ça. C'est un truc qui m'énerve. Alors, je débloque ma petite microstation, mon petit aéronef. Vous allez voir que la fessée va commencer. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas comme type de jeu, etc. J'espère que vous ferez de même pour les deux sujets que je vous ai. Fait part dans la vidéo. Alors le premier sujet, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui sont endormis, or c'était mais tout simplement merde, je m'en souviens plus moi-même. Or tout simplement il y avait déjà les types de jeux et il y avait aussi si vous aimez la nouvelle interface de YouTube et pas le nouvel interface, voilà, je me trompe pas. Alors bien sûr j'espère que vous direz tout et sans tabou dans les commentaires, que vous direz, putain j'arrive pas à parler franchement, c'est un truc de malade. Alors que vous direz tout, que vous décrirez bien, parce que c'est mieux que vous décriviez, pour que je comprenne mieux, etc. Pour que je sorte plus de vidéos avec les jeux que vous préférez. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit, alors je sais pas si je vais continuer à rester là, ou vous mettre une petite bande son à la fin. Ah ouais, non, j'ai un truc à vous dire là. C'est par rapport à la vidéo du match des teams, ma team LaTeX contre, je crois que c'était les tireurs de litres. Voilà, j'ai vu que vous avez bien aimé ce match de team et j'aimerais vous demander si vous voulez voir de nouveaux matchs de team avec LaTeX, etc. Voilà, tout simplement, que ce soit une défaite ou une victoire, je mettrai tout le temps une manche, la manche qui a été la meilleure. Et je vous mettrai à la fin bien sûr les scores qui ont été faits pendant le match de team en fait. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors j'espère que cette vidéo vous en aura plu. Elle touche à sa fin. Je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye.